Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où du coup je vais ouvrir un colis avec vous. Donc je l'ai déjà pré-ouvert. Voilà, j'ai pré-ouvert là. Donc comme ça va être beaucoup plus simple. J'ai oublié de prendre mon téléphone pour vous dire le prix de la chose. Mais bon, c'est pas grave. Au pire des cas, je vais essayer de faire avec ma mémoire si je me rappelle. Alors déjà, là, on avait ça là de sortie. Donc, hop, la petite, comme d'habitude, hein, le petit toolkit. Mais bon, vous savez très bien ce que je vais dire du toolkit. Ensuite, nous avons... Donc, c'est un DP. Alors, j'espère que ce n'est pas le DP de la mère de mon copain. Ah non. Non, c'est pas ça. Bah regardez. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Ben, en fait, c'est... Alors, si je ne me trompe pas. Est-ce que je peux le prendre comme ça? Oui, je peux le prendre comme ça. Alors, c'est en fait le DP Mystère... Regardez, c'était le deuxième en fait que j'ai commandé du coup. On va ouvrir ça. Hop. Ah, donc celui-ci c'est le 30-40. Donc c'est celui qui est à 4 euros quelque chose, 4,50 euros je crois. Celui-ci il vient de Clué Store, un truc comme ça. Alors, on va juste faire en sorte que... Alors déjà je vois que les symboles sont pas très bien imprimés. Ouais, il y a les symboles qui sont pas très bien imprimés, franchement. Alors on voit, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est ouais, c'est vrai. Ça, c'est un côté un peu flou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est avec un papier comme ça. Donc ça pourra vraiment être un vrai, vrai mystère. Donc je vais essayer de vous montrer un peu donc, comment c'est imprimé. Donc peut-être vous allez bien voir, mais en vrai, c'est un peu flou quand même. C'est pas vraiment noir, noir, net comme les autres et comme les DP... voilà, en général, quoi, que j'avais en tout cas. Donc voilà. Est-ce que j'ai fait de ce côté? Je ne sais plus. Enfin, on voit. Alors, par contre, ça colle hyper bien. La colle, elle est vraiment hyper bien. Donc, ça, je pense que c'est vraiment le papier là. Donc, je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu flou quand même. Voilà, peut-être que vous voyez bien en caméra. J'ai l'impression qu'on voit bien en caméra, mais. Bon, on voit bien, hein, c'est pas le souci, mais voilà quoi. C'est pas très très net non plus. Du coup, c'est des diamants ronds que j'ai commandé. On va voir un peu les couleurs. Alors déjà, j'ai combien de couleurs dedans? Ah, j'ai pas mal de couleurs hein, quand même. Hein, pour un 30-40, j'en ai combien? J'en ai 30. Donc voilà, j'ai 30 couleurs et celui que je vais avoir le plus, c'est du blanc. Le 38-65, c'est du blanc. Et le 775 aussi. Alors là, par contre, je ne sais pas trop ce que c'est le 775, mais... ouais. Alors, on va avoir du jaune. Ah, il est très coloré, hein, ce DP. Du orange. Ah, j'ai trop hâte de voir ce que c'est. Du bleu comme ça. Du gris. Du corail saumon. Du rose. Rose un peu vieux, quoi. Du rose bébé. Du rose bien. Rose bonbon, je dirais plutôt. Bonbon. Là, on a du saumon un peu orangé, quoi. Enfin, je sais pas trop. Ouais, saumon orangé. On a du... Donc, pareil, du saumon aussi un peu plus rose, celui-ci.
On a du bleu comme ça. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Ah, celui-ci aussi. Ah, il est magnifique celui-là. C'est du bleu pastel. Il est trop beau. Du orange encore. Alors, je pense que c'est peut-être le même. Non, c'est même pas le même. C'est une nuance. Du orange. Là, on a du... Je sais pas trop. Du bleu comme ça. Oh là là, il est trop beau aussi. C'est un peu... je sais pas trop comment dire, mais il est vraiment magnifique ce bleu. Bon, après, c'est un peu les mêmes couleurs, c'est juste qu'ils sont pas... Ou alors, c'est des nuances. On a le bleu comme ça. Du bleu un peu foncé. Donc après, voilà, les nuanciers de rose. Hein. Du orange un peu marron. Du jaune moutarde. Très joli. Donc là, on a encore du bleu. Est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même. Là, il est un peu plus foncé. Vous voyez? Il est un peu plus foncé. Il est très beau. Ah, c'est ça le 775. Eh ben, je suis contente. Il est très très beau. Ok. Donc évidemment, le blanc. Par contre, franchement, ils auraient pu faire un effort. Ils auraient pu faire un effort, franchement, c'est chiant quoi d'avoir tout ça là. Ils auraient pu mettre ça dans un gros sachet en ribambelle comme ça, mais pas des tout petits quoi. Mais bon, un bleu comme ça, donc il y a pas mal de bleu quand même. Un bleu comme ça aussi, très très joli. J'aime beaucoup cette couleur, je crois que j'ai un vernis comme ça. Un vert kaki je crois, ouais. Vert kaki, donc pareil là encore on a un petit saumon clair, un petit saumon un peu plus foncé. Là c'est du gris un peu kaki je dirais, un gris qui tire un peu vers le kaki. Et pareil encore du rose. Donc je suis quand même très contente des couleurs, franchement c'est très très bien, pas mal du tout. C'est vraiment pas mal et je pense que... alors je suis déjà sur un mystère. Franchement, alors d'abord je vais faire deux par deux. Là je suis en train de déjà m'imaginer en train de faire le DP, mais c'est parce que vous voyez toutes ces couleurs. Vous voyez toutes ces couleurs, je peux pas faire comme si je les voyais pas. C'est impossible. Ça m'attire beaucoup trop, ces petits bleus là. J'adore moi le bleu dans les DP. Le bleu comme ça. Comme ça. Franchement, en plus, il y a plein de bleus. Il n'y a pas beaucoup de bleu foncé. Et ça, c'est grave cool. Parce que moi, j'ai fait plein de DP avec beaucoup de bleu foncé. Donc, ça a vraiment changé du orange. Je crois que c'est la première fois que j'ai du orange dans du DP. Du orange comme ça, un vif. Pareil, du jaune moutarde. Donc, voilà. Franchement, je suis très, très, très contente de ce DP. Il y a plein de couleurs. Je suis trop contente. Franchement... Et peut-être qu'il manque un peu de rouge, mais j'ai du rouge dans l'autre, donc c'est pas trop grave. Et puis même, qu'est-ce que ça peut être, au final? Ah, j'ai peut-être une idée. Alors, on va dire ça tout de suite. Ça pourrait être dans l'océan, un poisson ou des poissons qui sont dans l'océan, on va dire, avec des algues, etc. Voilà ce que je pense. Enfin bon, donc je vais vous laisser là, on se redonnera des nouvelles de toute façon. Je vous souhaite un très bon DP, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao !